l'Éternel, le Dieu des armées, celui qui est fort dans les combats. Oh, nous t'acclamons, Jésus, parce que tu es présent au milieu de ton peuple. Alléluia. Il s'est décidé de faire du bien à quelqu'un ce matin. Laissons jaillir un chant de louange, un chant de gloire à notre Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas lui être reconnaissant ce matin? Sa présence nous fait du bien. Adorons le Seigneur ce matin. Élevons nos voix. Oh, glorifions le Seigneur ce matin. Il est digne de notre louange. Alléluia. Ta présence. Ton peuple de la borne réuni ce matin a soif de toi, Jésus. A soif de ta présence ce matin. Alléluia. Parlons-lui ce matin. Parlons-lui ce matin. Contemplons-le dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Alléluia. Tu es tout pour moi, Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'est rien, Jésus. Alléluia. 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 Nous chantons avec les dames cet air que je respire. Ta présence ce matin. Mon pain quotidien. C'est mon pain.
suis perdu sans toi, Jésus. Je suis perdu sans toi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Ta présence, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Tu as dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous. Oh Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Gloire Jésus. À Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons garder un moment de silence tout en demeurant dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous fait la grâce d'être là ce matin, à l'occasion de cette grande célébration. Le Seigneur nous attire à lui, parce qu'il sait que sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Il sait que nos besoins, quels qu'ils soient, nos vraies attentes, ne peuvent être rencontrés que par lui et par lui seul. Alors, réalisons sa présence. Réalisons le privilège d'être là où son nom est invoqué. Réalisons combien c'est vital pour nous d'être ce matin dans sa maison, rassemblés autour de lui. Réalisons combien il est un Dieu d'amour. Celui qui est riche en bienveillance, lent à la colère. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Être avec toi, Seigneur, est une nécessité, car tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, afin d'être avec toi. Ce n'est que, ô Dieu, lorsque nous demeurons en toi, lorsque nous marchons par toi, lorsque nous nous attardons davantage avec toi, en ta présence, lorsque nous avons, ô Dieu, des face à face, comme c'est le cas maintenant, ou le cœur à cœur avec toi, c'est alors que nous accomplissons pleinement, Seigneur, notre raison d'être ici-bas. Nous sommes ton peuple, Seigneur, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes des hommes et des femmes que tu as rachetés par la venue du Christ et par sa mort à la croix de Golgotha. Nous sommes, ô Dieu, de bienheureux parce que nous sommes habités par une espérance vivante. Et cette espérance porte un nom, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci. Merci, Seigneur, d'accueillir favorablement nos acclamations, d'accueillir le sentiment de nos cœurs. Merci Jésus d'être là. Oh, alléluia. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour te rencontrer. Ce matin, nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, ô Dieu, pour nous réjouir en ta présence, pour t'exprimer toute notre reconnaissance, car tu es celui qui nous manifeste ta bonté, qui nous manifeste ta bienveillance jour après jour. N'es-tu pas celui qui nous a prêté une fois de plus, Seigneur, ce souffle de vie qui nous anime? Nous n'avons rien fait de spécial. Nous nous sommes réveillés ce matin et nous avons retrouvé, Seigneur, toutes nos facultés. Qu'avons-nous fait, Seigneur, pour avoir tout cela? Quel prix avons-nous payé pour que ta vie nous anime? Rien du tout. Ce n'est qu'une grâce que tu nous accordes. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour tout. Incline nos cœurs, Seigneur, devant toi. Donne-nous de nous prosterner en ta présence. Que ta lumière paraisse au milieu de nous. Que ta gloire rayonne parmi nous. Oh, que ton esprit agisse en toute liberté, que des cœurs blessés soient guéris,
Que des corps malades soient débarrassés de la maladie, de la souffrance. Seigneur, oui. Nous avons besoin de toi. Là où tu es, là où tu descends dans ta gloire, là tout devient possible, Seigneur. Là, la connexion avec le ciel s'établit. Et lorsque la connexion s'établit, alors ta vie nous est répandue en abondance. Oh, merci pour tout. Merci, Seigneur. Accepte de passer ces quelques moments précieux pour nous. Seigneur, avec nous. Accepte, oh Dieu, de cheminer avec nous tout au long de cette célébration. Oh, nous voulons que tu en sois le commencement. Oh, nous voulons que tu en sois, Seigneur. Seigneur, la fin, l'alpha et l'oméga de cette célébration, de ce premier service. Mais nous voulons aussi être, nous voulons que tu sois celui qui accompagne toutes choses, celui qui nous assiste, qui nous soutient, Seigneur, dans notre louange, dans notre adoration, celui qui conduit toutes choses. Oui, guide-nous, Seigneur, et donne-nous de poser nos regards humblement sur toi. Merci pour tout. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel bonheur de vous revoir. Une fois de plus, je sais que vous êtes masqués, mais ce n'est pas ça le plus important. Aux yeux de Dieu, tout est à nu, tout est à découvert. Alléluia. Si je ne peux pas voir qui est là, du moins pour certaines personnes, mais pour la plupart, je sais que vous êtes là, etc. Dieu lui voit. Alléluia. Oui, acceptons encore cette souffrance qui nous a imposée par ce coronavirus et continuons à prier pour que le Seigneur nous en débarrasse. Continuons à prier pour que le Seigneur assiste tous ceux qui sont impliqués dans la recherche, soit d'un vaccin ou alors d'une thérapie qui fasse l'unanimité, voyez, qui pourra nous débarrasser une fois pour toutes de ce virus. En tout cas, soyez les bienvenus à ce premier service. Comme vous le savez, nous en avons désormais 4. Et pour que nous puissions vous accueillir dans des bonnes conditions, eh bien, nous avons écourté la durée de nos cultes. Donc, au lieu d'avoir 2 heures, eh bien, nous en avons désormais 1h30. Donc, nous privilégions du coup la qualité, nous sacrifions la quantité. Et vous le savez tous, pour le Seigneur, c'est plus la qualité qui compte. Gloire à Dieu. Même si pour nous et pour lui, allier la qualité à la quantité ne peut être qu'un cocktail de bénédictions incroyables. Et gloire au Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons saluer tous nos amis qui sont en communion avec nous via les différents réseaux sociaux, via les médias classiques, les différentes chaînes de télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Gloire à Dieu. Comme vous l'avez remarqué, nous avons secoué le cocotier pour pouvoir, eh bien, vous préparez une place afin d'avoir le même nombre de personnes au culte comme il y a 5 mois. Car, vous le savez, nous venons seulement de reprendre la première réunion en présentiel. Nous l'avons eu le dimanche passé. Aujourd'hui, c'est la deuxième réunion. Eh bien, nous faisons tout. On a monté ce chapiteau parce que la semaine passée, les gens étaient sous le soleil. Donc, on a essayé de mettre une bâche en attendant de dresser quelque chose de momentané, puisqu'il y a toujours les travaux qui sont devant nous. Et puis, il y a ceux qui sont ici sur le parking. Nous avons pu investir dans l'achat d'un grand écran LED. Et nous voulons en tout cas remercier chacun de vous pour votre fidélité, pour votre générosité envers le Seigneur, pour votre amour envers lui, mais aussi envers votre Église à la borne. C'est parce que vous êtes fidèles dans vos offrandes, fidèles dans vos dîmes, fidèles en toutes sortes de libéralités, en rapport avec l'œuvre de Dieu, que nous pouvons faire tout ce que nous avons fait. En tout cas, je tiens à vous remercier. Que le Seigneur vous bénisse. Le raz-de-marée sanitaire provoqué par ce virus, eh bien, a eu comme conséquence vous savez, c'est une crise protéiforme. Eh bien, une des conséquences, une des formes qu'elle a eu revêtir, c'est celle de se dresser devant nous et de nous empêcher de venir au culte. Vous voyez ? Donc, alors, nous faisons tout pour que d'ici là, vous puissiez être accueillis dans de très, très bonnes conditions. Continuez à garder, à respecter le geste barrière, c'est pour votre bien. Voyez-vous, parce que je vois
une certaine insouciance dans les chefs de beaucoup de jeunes. Moi j'étais ici, je suis bien. Non, c'est-à-dire vous pouvez choper ce virus, vous les jeunes, eh bien à cause de votre système immunitaire, vous résistez mieux. Au bout des 14 jours, 15 jours, ben, le virus disparaît, c'est comme le virus de la grippe. Mais si vous refilez ça à vos parents, qui eux, avec l'âge, n'ont plus le même système immunitaire, le corps ne peut plus réagir avec autant de puissance et de force, vous risqueriez de le perdre. Donc le masque, c'est un geste altruiste, c'est-à-dire protéger les autres, et puis ensuite se protéger soi-même. Alléluia, et gloire au Seigneur. Donc nous bénissons donc Dieu pour ce moment. En tout cas, soyez les bienvenus, une fois de plus, ravis de vous voir, ravis de danser avec vous dans la présence du Seigneur, ravis de nous réjouir dans la présence de celui qui nous aime et celui qui dirige nos pas. Que Dieu soit béni. Voilà, une bonne et merveilleuse célébration. Que Dieu soit béni. Et voilà, réjouissez-vous. Si vous voulez vous mettre debout, mettez-vous debout. En tout cas, nous voulons que le nom du Seigneur soit élevé dans cette célébration dominicale. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci Jésus, alléluia. Amen, amen. Nous voulons louer les seigneurs, les célébrer, et nous prions aussi nos bien-aimés qui sont au parking d'être avec nous, de louer les seigneurs avec nous, de les célébrer. Partout où vous êtes, sous les chapiteaux, les hangars, en tout cas, soyons ensemble, soyons connectés. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia, nous allons nous lever tous ensemble. Et nous voulons louer les seigneurs avec ce cantique. Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête.
possession de notre territoire. Nous le proclamons ce matin. Des armées ce matin. Quel privilège d'avoir un Dieu fort et puissant. Oh, lorsque lui est là, nous n'avons rien à craindre. Lorsque lui est là, la victoire est assurée. Jésus, le guerrier redoutable, celui qui combat pour vous, celui qui combat pour moi. Il a dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui fait face à des combats ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a des situations qui demeurent irrésolues ce matin? Mais laissez-moi nous dire, Dieu est là. Il combat pour vous. Il combat pour nous. Le Dieu qui nous a secourus, le Dieu qui nous a toujours soutenus est là. Alléluia, alléluia. Peut-être vous connaissez des nuits troublées, des sommeils troublés. Peut-être vous êtes visité par des puissances des démons. Mais laissez-moi nous dire, celui qui combat pour nous est là ce matin. Il combat pour vous ce matin. Alléluia. Répandons nos cœurs devant lui ce matin. Tu es ma forteresse, Jésus. Tu es mon refuge, mon secours dans la détresse. Alléluia. 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 Voilà, voilà, babo, sentera, babo. Il n'y en a point d'autre, Jésus. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga de nos vies. Celui qui dit des mots et la chose s'accomplit. Comment m'exprimer devant toi ce matin? Alléluia.
Yahweh, et tu es Yahweh. Jésus, tu es le Dieu, quand tu commences quelque chose, tu l'achèves toujours. Tu n'es pas le Dieu des choses, des œuvres inachevées. Alléluia. C'est toi que nous louons ce matin, c'est toi que nous adorons ce matin. Alléluia. Chantons tous ensemble. Tu es qui mérite notre adoration ce matin. C'est toi qui mérites nos acclamations et nos cris de joie ce matin. Alléluia. Oh Jésus, tu es Dieu au-dessus de tout, le maître de l'univers, digne de notre louange ce matin. Tu es le dépositaire de la vérité, Jésus. Laisse-moi te louer ce matin. Tu mérites notre louange et notre adoration ce matin. Alléluia. Nous continuons de le louer et de l'adorer. Exprimons-nous devant lui ce matin. Notre Dieu est présent au milieu de nous. Il répand sa grâce ce matin. Il répand sa grâce ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu mérites notre adoration ce matin. Mon adoration t'appartient. Mon adoration t'appartient. Mon adoration, Jésus, est à toi.
mon adoration t'appartient. Tu la mérites, tu la mérites, oui, tu la mérites. Alléluia. Il mérite notre louange, notre adoration. Nous allons rester encore en sa présence avant de lui tendre une oreille attentive et de recevoir ce qu'il a préparé pour nous pour ce matin. Oh, alléluia. Tu mérites notre louange et notre adoration, car toi seul es Dieu. En dehors de toi, ô Seigneur, tout n'est qu'idolâtrie, tout n'est que folie, tout n'est que ruine et destruction. C'est toi qui as appelé à l'existence, Seigneur, tout ce qui existe, non seulement sur le plan visible, mais également sur le plan invisible. Nous bénissons ton nom pour ce temps que nous venons de passer avec toi et en ta présence, tant qu'il nous a permis, Seigneur, de nous approcher de toi, ô Dieu, et de nous prosterner et d'épancher nos cœurs en ta présence. Merci d'avoir eu une oreille attentive à nos chants, à nos cantiques, à notre louange, Seigneur, à notre adoration. Tout cela est monté vers toi comme un parfum que tu agrées, un parfum d'une odeur qui t'est agréable. Merci pour tout. Nous voulons, Seigneur, après ce moment, nous asseoir très humblement à tes pieds, Seigneur, et demeurer en ta présence afin de recevoir depuis ta présence ta parole. Nous savons combien cette parole est la seule qui nourrisse tout notre être. Nous savons combien cette parole, Seigneur, contient le nutriment indispensable et vitaux pour notre vie, pour notre âme, pour notre esprit. Alors donne-nous de manger ta parole avec appétit, Seigneur. Merci d'aider ton serviteur à la proclamer dans un esprit de persuasion, à proclamer ta parole avec autorité, et que cette parole puisse toucher, Seigneur, le cœur, trouver des bonnes dispositions intérieures pour être accueilli ensuite, pour finir par avoir, par produire du fruit pour ta gloire. Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen. Et gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Nous allons sans plus tarder, je vous assure, le temps que nous puissions nous adapter au nouveau contexte, puisqu'on est habitué à, vous savez, le cerveau a déjà enregistré la manière dont nos cultes se sont toujours déroulés, et puis voilà, tout d'un coup, tout était chamboulé. Et donc voilà. Alors nous allons revenir à notre thème de la fois dernière, à savoir l'action de Dieu en nous, c'est-à-dire le travail en profondeur du Dieu de la Bible dans chacune de nos vies. Nous allons donc relire ces paroles merveilleuses que David a adressées au Seigneur à un moment particulier de sa vie, alors qu'il venait de passer par une épreuve terrible, alors qu'il venait de commettre, mes amis, quelque chose d'horrible. Cet homme va finalement prendre conscience que ce qu'il avait fait, eh bien, était d'abord et avant tout quelque chose qui avait fait très mal au Seigneur, quelque chose, un péché abominable aux yeux de Dieu. Et c'est à cette occasion, après qu'il ait été confronté à son adultère avec Bathsheba, après qu'il ait été confronté à son crime, que cet homme va tomber littéralement aux pieds du Seigneur et va implorer sa grâce. On va faire appel à sa miséricorde et à ses compassions. Nous sommes dans le psaume 51. Nous allons lire donc à partir du verset 3. Psaume 51, verset 3, encore une fois, comme je l'ai souligné, c'est un des joyaux du livre des psaumes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller rencontrer David dans ce qu'il avait de plus intime.
dans ce qu'il avait de plus extraordinaire, de plus noble. Et c'est à juste titre que plus tard, Dieu lui-même lui rendra ce témoignage en disant, David, l'homme selon mon cœur. Verset 3, psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la fidélité et la joie, et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Oui, l'action de Dieu en profondeur. Qui que nous soyons, mes amis, nous cherchons tous à marcher sur les traces de ceux qui nous ont précédés, sur les traces de ce que la Bible appelle les héros de la foi, ces hommes et ces femmes qui ont expérimenté des grandes choses dans leur marche, dans leur parcours avec les Seigneurs, ces hommes et ces femmes qui ont eu affaire à toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'adversités, qui ont connu toutes sortes de déserts, des gens qui ont vu des montagnes, des problèmes, des montagnes, des difficultés, des montagnes d'épreuves se dresser contre eux. Mais à cause de leur foi, grâce à leur confiance totale et entière dans la personne du Dieu de la Bible, dans la personne du Dieu de Jacob, dans la personne du Dieu d'Abraham, ces hommes et ces femmes ont fini par triompher, alléluia. Et la Bible est là pour nous encourager à marcher sur les traces de ces gens-là. Car si ces gens-là ne sont plus de ce monde, si ces gens-là, au terme de leur voyage ici-bas, sont passés dans l'éternité pour aller rejoindre celui qu'ils avaient servi alors qu'ils étaient encore dans l'espace et dans le temps, si ceux-là, tous ces héros de la foi, et tant d'autres qui sont venus à leur suite à travers l'histoire de l'Église, si tous ceux-là et toutes ceux-là sont passés, ce Dieu qu'ils ont servi, ce Dieu est encore le même aujourd'hui, alléluia. Et croyez-moi, ce Dieu voudrait nous voir expérimenter sa puissance, même plus qu'eux. Car le Seigneur a dit, je m'en vais vers le Père. Puisque je m'en vais vers le Père, alors en mon nom, vous accomplirez des choses encore plus grandes que ce que moi j'ai fait. Oui, c'est une aspiration légitime pour tout celui qui voudrait aller jusqu'au bout dans sa marche avec Dieu. Et par la foi, nous expérimentons de grandes choses. Oh, alléluia. Mais comme nous l'avons vu la fois dernière, les grandes choses que le Seigneur voudrait opérer ne sont pas extérieures, n'ont rien à voir avec toutes ces bénédictions matérielles, financières, toutes ces bénédictions familiales ou autres, mes amis. C'est-à-dire ces choses extérieures, les grandes œuvres, les grandes choses, les grandes bénédictions, c'est ce que le Seigneur voudrait accomplir dans nos cœurs. Car ce qu'il y a en nous, mes amis,
Eh bien, est-ce qu'il nous accompagnera lorsque nous arriverons au terme de notre voyage ici-bas? Nous passerons dans l'éternité, non pas avec le monde visible qui nous entoure, avec ce chose objective, pas du tout. Nous passerons dans l'éternité avec ce qu'il y a dans nos cœurs. Voilà pourquoi pour Dieu la chose la plus importante, voilà pourquoi pour Dieu, mes amis, ce qu'il attend de plus de nous, c'est que nous puissions rechercher sa face, afin que par la foi, il accomplisse des grandes œuvres en nous. Car, comme nous l'avons vu, le cœur, c'est notre monde, notre vrai monde. Et notre vrai monde, c'est notre cœur. Alors, quelle est la nature de ce monde? Quel est le climat intérieur en nous? Quelle atmosphère règne-t-il dans chacun de nous? Voilà les grandes questions que nous devrions nous poser, mes amis, parce qu'il y va de notre éternité. Il y va, mes amis, de notre expérience avec Dieu. Il y va de grandes choses. Et gloire au Seigneur, alléluia. Oui, pour la Bible, eh bien, l'homme est souillé de l'intérieur. C'est pourquoi c'est aussi de l'intérieur que l'homme doit expérimenter Dieu avant toute chose. Pour la parole de Dieu, ce qui est déterminant, ce qui fait vraiment l'homme, ce n'est pas tant les actes, les gestes qu'il pose et qu'on peut voir de l'extérieur, qu'on peut apprécier ou pas, mais plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Car ce qu'il y a à l'intérieur détermine ce que nous sommes véritablement aux yeux des autres, mais aussi véritablement aux yeux de Dieu. Oh, alléluia. Oui, les hommes sont souillés de l'intérieur. Tel est l'enseignement fondamental de la parole de Dieu. Alors que la religion, qu'elle soit monothéiste, c'est-à-dire fondée sur la croyance d'un seul Dieu, ou qu'elle soit polythéiste, eh bien la religion change l'extérieur. La religion peut apporter une sorte de réformation, mais la religion est incapable de transformer littéralement l'homme et de le faire ressembler à son Créateur. Et dans cette prière de contrition, dans cette prière de repentance, mais aussi dans les requêtes que David adresse au Seigneur, nous avons là des vérités importantes qui sont là pour nous permettre de mener une vie victorieuse alors que nous faisons face à tel ou tel autre problème, à telle ou telle autre adversité. Je l'ai souligné la fois dernière, personne dans la Bible n'a écrit avec plus d'éloquence, plus d'honnêteté, plus de sincérité au sujet du travail de Dieu, au sujet de l'œuvre de Dieu dans notre vie intérieure que ne l'a fait David. Il nous a laissé beaucoup de perles littéraires. Allez lire, mes amis, le livre des Samuel, 1 et 2 Samuel. Allez lire les psaumes. Et vous découvrirez comment cet homme a vraiment été une grande bénédiction pour l'humanité. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous inspirer de ses expériences. Aujourd'hui encore, nous sommes nourris par les révélations qu'il avait reçues de la part du Seigneur. Mais cet homme était pécheur comme vous et moi. Il a eu des passages à vide. Il a eu des moments très, très difficiles, mes amis. Et comme je l'ai souligné le dimanche dernier, les lignes les plus difficiles qu'il a eues à écrire sont celles du psaume 51. Car là, nous voyons David se livrer dans toute sa sincérité, se donner à voir tel qu'il était. Voyez-vous, David a cédé à la pression. David a cédé à la tentation. Très rapidement le contexte pour comprendre et apprécier, mes amis, les paroles qu'il a utilisées dans ce psaume qui reste un des grands joyaux du psautier, c'est-à-dire des psaumes. Il a écrit ce psaume, mes amis, après avoir commis un adultère, mais aussi après avoir été meurtrier par procuration. C'est-à-dire, après avoir contribué au meurtre de quelqu'un par personne interposée.
Cet homme a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'un de ses soldats, Uri. Cet homme faisait partie de l'armée de David. Et cet homme va abuser de son pouvoir, comme toujours. C'est donc cette histoire de la conduite criminelle de David, vous pouvez la lire dans 2 Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. Nous n'avons pas le temps de le faire. Ici, je suis en train de vous donner des éléments contextuels pour nous permettre de comprendre dans quel contexte cette prière est née dans le cœur de David, dans quel contexte cet homme s'est retrouvé broyé littéralement par la culpabilité, par, mes amis, le chagrin, le remords suscité par cet acte ignoble, cet acte abominable. Au lieu d'accompagner ses troupes à la guerre, en tant que roi d'Israël, David est resté chez lui bonnement. Ce fut là, mes amis, une circonstance qui l'a mis dans de sérieuses difficultés. Et là, mes amis, il y a une vérité que nous devons comprendre. C'est une chose terrible. C'est très, très dangereux de ne pas être là où Dieu nous veut et de ne pas faire ce qu'il nous appelle à faire. Voyez-vous, cette vérité ne concerne pas seulement ceux qui sont dans le ministère. Tout enfant de Dieu concerné par cette vérité, dès lors que nous appartenons à Christ, eh bien nous entrons dans le plan de Dieu pour notre vie. Et ce Dieu-là, mes amis, eh bien a une volonté pour nos vies. Nous devons absolument chercher cette volonté et nous laisser conduire par lui et non pas imposer de choix au Seigneur, comme c'est la plupart, dans la plupart des cas, ce que nous faisons. Nous allons quelque part et puis nous disons, Seigneur, suis-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Non, mes amis, nous devons chercher absolument à connaître sa volonté. Et David, au lieu d'être à la guerre, au lieu d'être à la tête de son armée, pour combattre tous ses ennemis du peuple de Dieu, ses ammonites et tant d'autres peuples, mes amis, qui cherchaient par tous les moyens à détruire Israël et par conséquent anéantir les promesses que Dieu avait faites à Israël, car la plus grande bénédiction faite à Israël, qui est même sa raison d'être, c'est que par Israël, le Messie vienne ici-bas et que par sa venue, eh bien, il délivre l'humanité de l'emprise démoniaque. Il donne à l'homme l'occasion de se réconcilier avec son Créateur. Mais malheureusement, David n'était pas là où il aurait dû être. Et par conséquent, David n'a pas fait ce qu'il était appelé à faire. Une nuit, oh la nuit, est une période difficile. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses la nuit. Une nuit, alors que son armée était sur le champ de bataille, David sort sur sa véranda. Il se promène. Avait-il eu une insomnie ? Était-il perturbé par telle ou telle autre chose, préoccupé par mille et une choses? Mes amis, il venait de remplacer Saül, donc il y avait beaucoup, beaucoup à faire. Nous n'en savons rien, mais toujours est-il que cette nuit-là, monsieur sort, il va sur sa véranda et il commence à se balader. Et tout d'un coup, il voit dans une des parcelles, pas très loin du palais royal, une belle apparence. Il se frotte les yeux, c'est quoi ça? Il se déplace, il s'approche un peu plus du côté où se trouvait cette belle créature si magnifique, si splendide. Et il réalise que c'était une femme très belle. Il finit par la convoiter dans son cœur. Il se renseigna auprès de ses serviteurs qui était cette femme. Qui habitait cette maison et qui était cette femme? Il reçut l'information que c'était la femme d'un des soldats, d'un homme qui faisait partie de son armée et qui se battait pour Israël et qui se battait pour lui. Finalement, il va demander à ce que cette femme arrive. Et finalement, il va coucher avec elle. Et cette femme tombe enceinte. La femme lui envoie le message qu'elle était enceinte.
Et David s'est dit, mais ce n'est pas possible. Et si son mari découvrait, alors il va essayer de brouiller les pistes, comme toujours. Ceci ne va pas marcher. Il va faire venir son mari du champ de bataille. Il va lui dire, Urim, ça fait combien de temps que tu es sur le champ de bataille, ô roi, depuis tel temps. Écoute, rentre chez toi, va te reposer, profite du beau temps avec ton épouse. Tu l'as tellement manqué, et je suis convaincu qu'elle aussi t'a manqué. Merci, roi. Le gars sort du palais royal, il ne rentre pas chez lui. Il va rejoindre les autres serviteurs qui passaient donc la nuit devant la porte, donc l'enceinte royale, et il dort avec eux. David apprend que l'homme n'était jamais rentré chez lui. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Il le rappelle. Il dit, mais comment expliquer ça? Il dit, non, je ne pouvais pas rentrer chez moi au roi, profiter de ma femme, de ma famille, bref, dormir calmement tout en sachant que les autres sur le champ de bataille. Non, je préférais rester dehors avec les autres serviteurs. David se gratte la tête. Vous voyez le péché, mes amis. Alors il élabore un autre plan. Il invite et dit, viens, j'ai appris de bonnes choses de la part de votre général Joab. Écoutez, viens manger avec moi. Oh, quel privilège, n'est-ce pas? Oh, pauvre Uri, pouvait-il savoir que cette invitation était simplement une manière de le distraire? Non seulement il lui donne à manger, mais il le fait enivrer. Oui, beaucoup de whisky, de l'autoco, tout ce que vous voulez. L'homme est complètement saoul. Quand il sort, quand il termine cette soirée arrosée, le roi lui dit, écoute, maintenant va te reposer. Reste autant de temps que tu voudras. L'homme sort. Quand il sort du palais royal, il chancelle, hein, il est sous l'effet de l'alcool, il est complètement inhibé. Et quand il sort dehors, hop, il s'est dit non. Dans cet état d'ivresse, il y a un peu de lucidité qui lui arrive. Il s'est dit, non, moi je vais rester avec les amis si je ne veux pas aller chez moi. Bref, David apprend que l'homme n'est jamais rentré chez lui. Et par conséquent, donc, il est resté loin de sa femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bref, je vous passe les détails. Il va s'arranger, il va demander au général qui conduisait la bataille, il dit, écoutez, il lui envoie, il donne la lettre à Uri, pauvre Uri. Pouvait-il savoir que cette lettre, eh bien, était un arrêt de mort pour lui? C'était pour qu'on le mette à l'endroit où les gens se battaient, les ennemis étaient là, plus forts, et c'est ce qui est arrivé, et Uri va mourir. Quand David apprend ça, il s'est dit, enfin, le problème est résolu. Non. Homme, tôt ou tard, ton péché t'atteindra. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prendre les femmes d'autrui en abusant de ton autorité. Tu peux te croire plus malin que les autres. Mes amis, tôt ou tard, celui qui est assis sur le trône et qui tient nos vies dans sa main, celui-là te demandera de compte. Avant qu'il ne soit trop tard, change de conduite, change de comportement, je t'en supplie. Car nous sommes dans un pays où il y a des gens qui sont spécialisés dans la conquête des femmes d'autrui. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans mon bureau? Des femmes complètement abattues en disant, pasteur, ce n'est pas possible, mon patron, mon chef, tout ce que vous voulez, mais met la pression, mais je ne peux pas. Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y en a qui ont perdu leur numéro matricule à la fonction publique parce que le directeur, parce que le ministre, que sais-je, a voulu coucher avec elle et n'ont pas voulu. D'autres, hélas, ont cédé. Non pas parce que l'homme était plus beau que leur mari. Dans la plupart des cas, c'était comme un petit facochère. Mais l'homme a accepté, la femme a accepté, simplement pour ne pas avoir de problème, parce qu'elle sait que si elle perd ce travail, ça sera fini. Elle aura des problèmes, son mari ne gagne pas assez d'argent, c'est un mari qu'elle aime tant. Alors elle cède sous la pression. Alors mon ami, fais très attention. Je dois vous dire la vérité, c'est une chose abominable que d'aller, il y a tant
tant de choses à faire, et vous allez simplement pêcher dans l'aquarium du voisin. Il n'y a qu'un seul poisson, alors que le fleuve en regorge beaucoup. Mais non, je ne vous encourage pas d'aller dans le fleuve. Hein. Il s'arrange. Ok, il est mort. Il prend la femme. Viens. Il la met à la maison. Sa conscience est tranquille. Vous voyez, la conscience n'est pas un vrai juge. Nous pouvons elle peut être cautérisée. La conscience réagit en fonction des informations qu'elle reçoit, c'est tout. Il y a des gens qui sont tranquilles après avoir tué. Des véritables psychopathes. Des psychopathes asociaux, tout ce que vous voulez. Ils tuent, ils sont là. Ils vous voient, vous trinquez ensemble comme si de rien n'était. Mes amis, celui qui avait écrit de si merveilleux psaumes va vivre pratiquement une année, écoutez-moi bien, une année avec un mur, une muraille le séparant de Dieu. Comment est-ce possible? Eh oui, comment les héros sont-ils tombés? Oui, ils sont tombés parce que les héros ne sont pas surnaturels. Voyez-vous, presque une année après la mort de Monsieur Uri, il prend Bathsheba, il en fait son épouse, et puis il lui fait un enfant. Enfin, cet enfant naît, mais cet enfant va mourir. La grossesse fait combien de temps? 9 mois. Hein? Entre-temps, monsieur est tranquille. Le roi David, quand il passe, les gens lui font des courbettes. Personne ne pouvait savoir ce qui s'était passé. Mais il y en a un qui contrôle tout. Rien ne peut lui échapper. C'est celui-là que nous devons craindre. Et puis un jour, presque une année plus tard, monsieur a complètement oublié. Non, Dieu n'oublie pas. Dieu parle à son prophète Nathan. Et c'est comme ça que Nathan ira. Il va confondre David. Il va le placer face à la parole de Dieu. Et face à la parole de Dieu, l'homme va réaliser le mal qu'il avait fait, va réaliser le péché abominable et horrible qu'il avait commis. Il admet son péché. Ça, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons la prêcher avec force. Voilà pourquoi nous devons mettre les gens devant cette parole. Car c'est la parole qui suscite la conviction de péché dans nos cœurs. Nous pouvons avoir quelques remords après avoir fait le péché. Oh là là, j'ai volé à mon patron. Oh, ça fait mal. Ah, ah. Maintenant, le patron pleure et tout ça. J'ai pris le chéquier, j'ai tout. Voilà, vous pouvez avoir ces remords-là sans plus. Voyez-vous? Mais lorsqu'on est confronté à la parole de Dieu, elle nous révèle notre véritable nature. Ce qui est caché au plus profond de nous-mêmes. Après une année, tant d'autres choses sont venues se placer au-dessus de ce péché-là, oui ou non? Au point d'oublier. Monsieur a continué à écrire des psaumes. Monsieur a continué à louer le Seigneur, à aller, aller dans le temple, louer, adorer Dieu. Mais sa conscience était là, chargée, plus que chargée. Et lorsqu'il est confronté à la parole de Dieu, lorsque le prophète Nathan vient lui annoncer la parole, remarquez que cet homme n'est pas venu le flatter, n'est pas venu l'encenser avec des prophéties. Dieu a dit, ô roi, tu es beau, tu es ceci. Non, il a mis devant ses responsabilités. Oh, nous avons besoin des véritables prédicateurs de la parole qui annoncent les oracles du Dieu vivant, qui montrent aux gens ce qu'ils sont véritables. Au lieu de les flatter, au lieu de tourner en rond, ô chef, ô excellence, ô cacaillo, tout ça, cacaillo. Ouais. Vous le laissez dans ce péché, et toi et lui, vous le payerez cher. Annonce-lui avec amour, certes, mais avec fermeté. C'est ainsi que l'homme, David, le cœur brisé, le cœur broyé par le chagrin, par le remords, et conscient, mes amis, de la gravité de sa situation, conscient de sa misère morale, sa misère spirituelle, cet homme va se tourner vers Dieu. Il va crier,
Oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Du fond du cœur, cet homme se repent. Tout commence par la repentance. Il ne peut pas y avoir des grandes œuvres de la part de Dieu dans notre vie en aval, si en amont, il n'y a pas un cœur contrit, il n'y a pas un cœur brisé, il n'y a pas un cœur qui réalise tout le mal qu'il a fait à cause du péché. David se repent. David demande pardon. Pardon au Dieu de miséricorde, au Dieu plein de compassion. Mes amis, le Dieu de la Bible se révèle comme celui qui est riche en compassion, riche en miséricorde. Il ne se lasse point de pardonner. À chaque fois que nous venons à lui pour solliciter le pardon, si nous le faisons de manière sincère, si nous pleurons, nous réalisons la gravité de l'acte que nous avons posé. Si nous nous tournons vers lui en nous appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, la Bible nous dit qu'il est juste, qu'il est fidèle pour nous pardonner. Voyez-vous, il a couché avec Bathsheba. Il a donc péché contre Bathsheba. Il n'avait pas allé découvrir l'intimité de la femme d'autrui. Voyez-vous, Bathsheba cédait peut-être parce que c'est le roi. Le roi. Vous savez, le pouvoir, il faut faire très attention. Le pouvoir peut vous conduire sur le chemin de la mort. Voyez-vous? Parce qu'avec le pouvoir, eh bien, vous avez tout le monde. Voyez? Même l'homme qui était tabassé à l'université, voyez? Qui était rançonné le peu d'argent que tes parents t'envoyaient de l'intérieur, il arrivait là-bas. Petit, ici. Avec ton caractère faible. Allez, donne ici. Oui. Mais le jour où tu as pouvoir, le même vient à genoux. Chef, ça c'est le pouvoir. Il faut faire attention. Oui, David se repent. David réalise qu'il n'a besoin de Dieu. Oh, alléluia. Qu'est-ce que David a appris en voyant cette attitude de repentance, en allant chercher cette repentance auprès du Seigneur? Nous voyons qu'il a compris, qu'il a appris. Mais qu'est-ce qu'il a appris? Eh bien, David a appris une de grandes leçons sur laquelle le Seigneur reviendra plus tard. Il a appris que le problème, son problème, ne se trouvait pas à l'extérieur. Le problème, ce n'était pas tant Bathsheba. Le problème, ce n'était pas tant Uri, le mari de Bathsheba. Le problème, son problème à lui, se trouvait en lui, dans son cœur, au plus profond de son être. Il réalise l'importance de l'état et de la nature du cœur. Il réalise que le cœur est notre véritable monde intérieur. C'est l'état du cœur, c'est la nature du cœur qui est déterminante. Alléluia. Jésus n'a-t-il pas dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les pensées impures et immondes. C'est du cœur que viennent les vols, meurtres, adultère, immoralité, haine, manque de pardon, jalousie, tout cela, mes amis, vient du cœur. C'est ça notre vrai monde. Où que nous soyons, notre vrai monde est avec nous. Vous savez, vous êtes ici, vous vivez à Kinshasa, votre monde c'est Kinshasa, n'est-ce pas? Kinshasa avec ses odeurs, avec ses senteurs, Kinshasa avec ses rues, avec ses avenues, avec une population très mouvementé, avec ses bouchons et tout ce que vous voulez. Kinshasa, c'est Kinshasa. Et à Kinshasa, dans votre monde, vous connaissez des gens avec qui vous avez étudié, avec qui vous travaillez. Ils constituent votre monde, oui ou non? Mais quand vous quittez Kinshasa, vous allez à Dar es Salaam en Tanzanie. Eh bien, vous amenez ce monde-là? Non, hein? Vous n'amenez pas Kinshasa, même si vous pouvez croiser quelqu'un que vous connaissez. En arrivant à Dar es Salaam, ce n'est un autre monde que vous allez découvrir. Une autre ville avec ses spécificités, ses particularités, avec un peuple qui n'a rien à voir avec nous, etc., qui parle une autre langue. Et donc c'est un autre monde. Mais il y a une chose que tu vas amener, c'est ton monde intérieur. Que tu sois en Guinée, que tu sois ailleurs, le monde intérieur va avec toi. Oh, alléluia. Il faut donc que son cœur change. Il faut donc passer par une transformation radicale.
Il faut donc qu'il soit transfiguré, métamorphosé. En même temps, David prend conscience que ce qu'il désire, ce changement radical, cette transformation, lui est impossible. Seul Dieu peut l'accomplir. Seul Dieu peut réaliser cette œuvre en lui, au fond de son être. C'est ainsi qu'après la repentance, voyez-vous, après la repentance, David va demander plusieurs choses à Dieu. Mais je voudrais simplement, je m'arrêterai là, attirer notre attention sur trois requêtes. Trois requêtes importantes qui sont, croyez-moi, le fondement même d'une vie chrétienne victorieuse. La première requête, c'est le verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh. » Il ne s'est pas simplement contenté de demander pardon, de demander à ceux qui soient débarrassés de telle ou telle autre souillure. David demande à Dieu de créer en lui un cœur pur. Oui, il ne se contente pas de demander à être libéré. Libéré dans son cœur de la souillure, de l'impureté, de son péché. Ça, il a déjà demandé d'être purifié. Regardez le verset 4 et le verset 9. « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Et le verset 9 « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était une plante qui était utilisée comme aspersoir. Voyez, dans le rite de purification lors des cérémonies cultuelles dans l'Ancien Testament. On prenait cette plante soit dans le sang et puis on aspergeait, soit dans l'eau. Voilà, c'était donc... Et il dit ça. Donc il demande la purification. Voyez-vous, mais David ne veut pas s'arrêter là. Cette fois-ci, il demande un travail en profondeur, alléluia. Il demande à Dieu un nouveau départ, un cœur neuf, un cœur nouveau, un cœur pur, jusqu'à la racine. C'est ainsi qu'il dit, « Oh Dieu, crée en moi !» Je termine par ce verbe « créer ». Le verbe « créer » en hébreu, c'est le verbe « bara ». Qui veut dire « créer » ? Et ce qu'il faut savoir à propos de ce verbe, bara ou créer, c'est qu'il n'a jamais d'autre sujet que Dieu, et Dieu seul, partout à travers la parole de Dieu. À chaque fois qu'il est question de ce verbe-là, le sujet est toujours Dieu. Voyez-vous, quant aux autres verbes, par exemple faire, il est dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Eh bien, le verbe faire, à travers la Bible, vous pouvez voir que ce verbe peut avoir comme sujet un homme, un prophète, un sacrificateur, un roi, ou le verbe façonner. Dieu nous a façonnés, mais on parle aussi de l'homme qui façonne, n'est-ce pas? Mais quant au verbe bara, il est réservé uniquement à Dieu. En utilisant le verbe créer, David reconnaît que sa requête ne peut être exaucée que par Dieu seul. Son besoin, sa véritable attente ne peut être rencontrée, mes amis, que par Dieu seul. Oui, il réalise qu'il a plus que besoin d'être débarrassé de telle ou telle autre souillure. Il a besoin d'un cœur nouveau, alléluia. Il a besoin d'un changement total. David veut tout voir dans sa vie d'un regard pur. Il veut tout entendre avec des oreilles pures. Il veut agir avec des réactions pures. Oui, voilà ce qu'il demande. Et en regardant à chacun de nous, et ce à la lumière de la prière, de la requête de David, nous pouvons nous rendre compte que les paroles de David ici, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », vont au-delà de certains vœux pieux qu'on entend si souvent. Quelqu'un a péché. « Seigneur, je promets de faire mieux la fois prochaine. Seigneur, je ne ferai plus cela. Seigneur, je vais tourner la page. » Mais laissez-moi vous dire une chose. Certains d'entre nous ont ainsi tourné plus de pages qu'un cahier ne saurait contenir. Ce n'est pas question de tourner des pages.
tu risques de tourner des pages à un moment où tu n'auras même plus de pages dans ton cahier. Il est question d'avoir un cœur nouveau, de prendre un nouveau départ, de dire « Seigneur, me voici, je pêche aujourd'hui, je te demande pardon, tu me l'accordes. Une semaine après, je retombe dans la même souillure, je demande, mais aujourd'hui, crée en moi un cœur pur. Et c'est tel, et si telle est votre volonté, que Dieu crée un cœur pur, alors levez-vous spontanément là où vous êtes, et ensemble nous allons crier, nous allons demander à Dieu, « Seigneur, crée en moi un cœur pur, avec de nouvelles affections, avec de nouvelles choses. Je voudrais avoir un regard pur sur les choses, entendre, tout entendre avec des oreilles pures, agir et réagir de manière pure. » Oui, prions tous ensemble, mais avant cela, repentons-nous. Si nous devons demander pardon, c'est le moment de le faire, mes amis. Demandons pardon au Seigneur pour ceci ou cela, pour le péché que nous avons commis, le vol, la tromperie, le mensonge, mes amis, l'immoralité, l'adultère, que sais-je. Vous seul êtes témoin devant Dieu, là où vous péchez souvent. Ô Dieu, ô Seigneur de gloire, nous voici tous devant toi, car tous nous réalisons ce besoin comme David, non seulement que tu nous débarrasses de telle souillure ou de telle autre impureté, mais Seigneur, que tu crées un nouveau cœur en nous, que tu nous donnes un nouveau cœur, un cœur neuf qui nous permette, ô Dieu, d'avoir de nouvelles affections, d'avoir de nouvelles orientations, d'avoir des pensées pures, un cœur, Seigneur, qui va accomplir ta volonté. Merci de nous pardonner et de nous accorder ce cœur. Merci Jésus, crée en nous un cœur pur, car toi seul peux le faire. La religion est incapable, ô Dieu. Aucun effort humain, aucun effort religieux, aucune piété ne peut, Seigneur, ô Dieu, amener un cœur nouveau en nous. Non, c'est une œuvre qui te revient à toi et à toi seul. Alors comme David, crée en moi un cœur nouveau, un cœur qui trouve du plaisir dans ta présence, un cœur qui passe du temps avec toi, un cœur qui agit en étant mu par ta pensée. Débarrasse-moi de tout, Seigneur. Oui, merci pour tout. Merci pour ta parole. Aide-nous à demeurer dans cette pensée tout au long de la semaine. C'est vrai que nous nous arrêtons ici. Ce n'est pas pour autant que ton esprit s'arrête là. Alors que ton esprit continue à secouer, Seigneur, notre conscience, à faire remonter à la surface des choses qui sont restées cachées en nous. Seigneur, car une couche de vernis religieux ne suffit pas. Une reformation extérieure ne suffit pas. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une action en profondeur dans notre être. Ce dont nous avons besoin, c'est que tu déposes ta vérité au plus profond de notre être. Merci pour tout. Merci de bénir également ce moment d'offrande, de dîmes et de toutes sortes de libéralités. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette grâce. Merci Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Que Dieu soit béni. Comme vous le savez, je vous rappelle, après chaque réunion, nous désinfectons le siège. C'est pourquoi désormais il y a une heure qui sépare nos cultes. Une heure qui sépare nos cultes. Tout cela pour votre sécurité, pour notre sécurité. Ça va? Et en même temps, je vous signale que vous qui êtes ici dans la salle, vous ne sortirez pas en premier. Peut-être certains qui sont pressés, qui seraient là derrière, mais en tout cas, restez assis, vous allez sortir les uns après les autres selon les instructions du service protocole, le service d'accueil. Merci de votre compréhension plus que merveilleuse. Alors, très rapidement, donc, encore une fois, nous sommes en travaux en chantier et je voudrais m'excuser pour tous ceux qui sont dehors. Je sais qu'il y en a qui sont sous le... On a monté en toute vitesse hier, la nuit. Je remercie tous ceux qui ont travaillé jusque tard dans la nuit.
pour avoir quelques charpentes et mettre une, une bâche, merci, pour éviter que ceux qui s'assiennent là-bas ne soient pas jetés en pâture au soleil. Merci en tout cas pour tout. Je m'excuse parce que je sais qu'il y a encore du sable, surtout les dames avec vos hauts talons et tout ça. On s'excuse. Le dimanche prochain, vous serez plus qu'à l'aise. Alléluia. Et gloire à Dieu. Donc voilà. Nous rendons grâce. Maintenant, attends, avant ça, y a-t-il des gens qui sont là pour la toute première fois, si vous êtes là, que ce soit ici à l'intérieur ou à l'extérieur, tout autour de l'église, sur notre site? Si vous êtes là, ben, nous réjouissons. Levez simplement votre main, nous aimerions vous accueillir de manière spéciale et nous réjouir de votre présence. Y a-t-il des gens qui sont là pour la toute première? Merci, merci. Voilà, vous restez debout, on va vous remettre un dépliant. Ce dépliant contient beaucoup de renseignements concernant nos activités ici à l'église. Et il y a un talon que vous pourriez, en toute liberté évidemment, remplir, si vous le voulez bien, et nous le laisser. Donc, ce sont vos coordonnées, c'est pour garder contact avec vous, vous aider à mieux connaître le Seigneur. Et si vous le connaissez déjà, eh bien, à mieux grandir dans le Seigneur. Donc voilà, merci en tout cas, que le Dieu vous bénisse. Nous avons l'habitude de vous accueillir dans un salon disposé pour vous, mais Covid oblige, hélas, nous ne pouvons pas vous accueillir, mais cela sera fait dans les jours, mais oui, dans le jour et dans les mois qui viennent. Et gloire à Dieu. Donc voilà. En tout cas, pour la sortie, laissez le service de protocole s'en occuper. Et on a béni hier deux mariages. Je ne sais pas si les mariés d'hier sont là. Hein, je ne sais pas s'ils ont eu le courage de se réveiller le matin pour venir au premier service. Voilà, s'ils ne sont pas là ou s'ils sont dehors, eh bien, nous les bénissons. C'est donc Eliane et Jean-Baptiste Lomombe et Bankile, Ruth et Hervé Beaumont, et puis un autre mariage qui a été célébré dans une de nos extensions. Et puis enfin, il y a Patricia et Nicolas Ndaye et Loa Vuanga. Donc voilà. Et puis nous profitons de l'occasion, puisque nous avons beaucoup de gens qui nous suivent depuis le Gabon, pour souhaiter à tous nos amis gabonais une très bonne fête d'indépendance. Donc c'était le 17 août. Que Dieu vous bénisse. Priez pour votre pays et nous prierons pour le Gabon afin que le Seigneur vous visite puissamment. Et gloire à Dieu. Donc voilà, je crois que c'est tout, à moins que j'ai oublié quelque chose. Rafraîchissez-moi la mémoire. Alors, je vous rappelle, heureusement que le Saint-Esprit me rafraîchit la mémoire, personne. Eh bien, les réunions de la semaine ne vont pas reprendre cette semaine. Comme je vous avais dit, nous voulons d'abord travailler, nous voulons d'abord maîtriser la gestion de nos quatre services dominicaux, et c'est seulement par après, et alors que tout sera prêt, c'est-à-dire le hangar là-bas, et puis parce qu'il y a des gens qui s'asseyent, même à la cour maternelle, de l'école maternelle ici, quand tout sera fin prêt, alors nous vous dirons quand est-ce que les réunions, comment les réunions de semaine intercession, c'est-à-dire les réunions en présentiel, reprendront pour la semaine. Mais en attendant, continuons donc à prier les uns pour les autres, depuis nos maisons. Je ne sais pas si nous avons le service d'accueil à terminer avec les offrandes, ben, si tel est le cas, je veux donc vous demander de vous lever, nous allons terminer par la prière, et puis après vous vous assiérez tout gentiment, comme des grands garçons, comme des grandes dames, et puis après vous attendrez que le service d'accueil vous montre comment l'ordre de sortie va se faire. Il y a donc des signalétiques. Il y a des idéogrammes qui sont là pour vous montrer la sortie ou les sorties qu'il faut prendre. Notre Père, nous te disons merci pour avoir été avec nous dans ce premier service. Merci de nous avoir assistés par ton esprit. Seigneur, notre prière est que tu nous aides à nous jeter en corps, âme, esprit entre tes mains, afin que par ton esprit, tu puisses créer un cœur nouveau. Oh, nous voulons prendre un nouveau départ. Nous sommes fatigués de cette vie que nous avons mené jusque-là. Nous nous repentons aujourd'hui, une semaine après, nous retombons dans le même péché. Ensuite, nous nous repartons, nous sollicitons ton pardon. Tu nous accordes, 6 mois plus tard, rebelote. Oh, nous sommes fatigués. Voilà pourquoi nous voulons prendre un nouveau départ. Merci,
car avec toi tout est possible. Merci pour tout. Bénis cette semaine. Seigneur, sois avec nous dans toutes nos activités. Merci Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous. Allons dans sa paix et demeurons dans sa victoire jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, veuillez vous rasseoir. Merci, nous vous aimons. Je ne peux pas vous saluer comme nous le faisons, mais recevez mes salutations. Je vous embrasse en esprit. Que le Seigneur vous bénisse, ça a été une joie pour nous de vous avoir à ce premier service et au plaisir de vous revoir le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous saluer même en étant masqué sans vous toucher, évidemment. Merci.